Bonjour à tous, donc comme je suis amené à dire ce que je pense, je sais pas, le monde des anciens pense quoi de cette situation avec le monde, la France, les gilets jaunes, enfin tout le remue-ménage qu'on voit actuellement, qu'est-ce que j'en pense moi, Samy à Italie, créateur d'entreprise. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est une répétition regrettable des erreurs passées. Qui nous a amené là le capitalisme, hein, ça c'est sûr, c'est ça. Parce que bon, je vais pas vous mentir, hein, le capitalisme, j'en fais pas mon affaire parce que ça m'arrange. Non, c'est parce que face à l'argent, le capital, donc, hein, l'argent, le capital, une monnaie d'échange plus légitime, j'en vois pas. D'accord. Avant ça, il y avait du troc, il y avait des gens immensément riches et des gens immensément pauvres. Et c'était le troc qui servait de monnaie d'échange. Alors quoi? Maintenant on a l'argent, c'est ça qui sert de monnaie d'échange, qui cherche à supprimer cette barrière entre les riches et les pauvres, en donnant une chance à chacun. On nous a dit qu'il n'y avait pas de meilleur système, de même que notre système démocratique. On nous a dit que le système de peuple s'exprimer et élisait les personnes qu'il souhaitait voir représenter était le meilleur. On n'a pas trouvé de système meilleur, il faut l'accepter. C'est ce qu'il faut faire. L'accepter, ça veut dire que il faut se soumettre aux décisions de nos gouverneurs, de nos magistrats, c'est ce que pense un chrétien. Et ben voilà ce que j'en pense, moi. En tant que chrétien, j'en pense pas autre chose. Même si ça nous semble injuste, eh ben, mêlons-nous à la vie politique de notre pays pour qu'un jour ça devienne juste. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est tout ce que je peux conseiller à vous autres. Les structures qui sont cessées d'évoluer, qui sont en involution, seront détruites. Les structures qui continuent d'évoluer émergeront, s'accroîtront dans un monde, même s'il est fait de décombres. Mais les structures qui n'évoluent plus cessent de s'accroître. Nous avons la justice de Dieu et la justice des hommes. Faisons-en notre acabit. Si la justice de Dieu et celle des hommes ne nous convient pas, c'est que nous avons un problème, nous, à nous remettre en question. Pas la justice de Dieu et celle des hommes. Par contre, si celle de Dieu et celle des hommes, on peut en faire une affaire, et bien c'est que nous avons trouvé juste milieu entre celle de Dieu et celle des hommes, ou juste dans celle de Dieu ou dans celle des hommes, en tout cas juste. Il vaut mieux être juste qu'être injuste, voilà. Qu'on peut en retenir dans cette situation de crise.